Plus de 30 000 clapets régulateurs de pression pour climatisation automobile sortent chaque jour de ces ateliers. Eagle Industrie France de Folquemont est spécialisée, depuis sa création en 1998, dans la conception et la fabrication de ces pièces mécaniques. Très concrètement, ce clapet sert à ouvrir ou interrompre le circuit de gaz dans le compresseur. Quand on envoie une pression ici, qui ressort par là, on va comprimer le soufflet de façon à laisser passer le gaz au travers du clapet ici. Ça permet de réguler la pression. Pour s'adapter à tout type de véhicule et élargir sa clientèle, l'entreprise a développé différentes technologies, du clapet pneumatique au clapet électrique. Les clapets pneumatiques sont ceux qui sont à l'origine de l'entreprise, en particulier celui-là, que nous avons fabriqué dès le début de l'implantation de l'entreprise. Un deuxième clapet pneumatique que nous avons commencé à produire 2 ans après le démarrage de l'entreprise. Et les clapets que nous développons actuellement et qui sont l'objet essentiel des différents agrandissements sont les clapets électriques. C'est une technologie plus performante et qui permet également d'avoir un meilleur confort dans le véhicule tout en consommant moins d'énergie. Ce dernier procédé a permis à l'entreprise d'attirer un nouveau client avec un contrat majeur à la clé. La société au capital entièrement japonais depuis 2008 s'est alors posé la question de la localisation de sa production. On s'est posé la question de faire soit à Folquemont, soit dans des pays de l'Est où la main-d'œuvre est moins chère que chez nous. On a finalement décidé de rester en Moselle d'abord parce que la qualité de nos produits est reconnue chez nos clients et est reconnue dans le groupe également comme étant bonne. Deuxièmement, parce que nos clients sont très satisfaits de la réactivité et du service fourni par l'entreprise. Troisièmement, parce que la main-d'œuvre ici est de qualité et les gens travaillent bien et aiment travailler. Quand on parle industrie en Moselle, tout le monde comprend ce que c'est. Et quand on dit qu'il faut travailler par exemple en 3-8, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Autre raison également, c'est qu'on a la place pour s'agrandir et on est bien situé à la fois par rapport à nos clients, mais aussi par rapport à nos fournisseurs. Des atouts renforcés par le soutien d'organismes d'aide à la création et au développement d'entreprises. On a été accompagné dans cette démarche d'un point de vue financier à la fois par l'État, pour les primes d'aménagement du territoire, mais également par la région et également par Moselle Développement, par le Conseil Général qui nous ont beaucoup aidés. Alors, d'un point de vue financier bien sûr, mais également d'un point de vue administratif, accompagnement pour savoir où aller, qui rencontrer, comment faire pour trouver des solutions d'agrandissement. Pour faire face à ce nouveau marché, l'entreprise a multiplié par 2 sa surface au sol avec une extension de 2 500 m², car d'ici quelques mois, cette salle vide accueillera de nouvelles machines. La société prévoit aujourd'hui de doubler sa production en 3 ans et en conséquence son chiffre d'affaires et ses effectifs.